Cette étude traduit un état économique et financier exceptionnel tel que nous l'avions jamais vécu. Mais ça, c'était le monde d'avant. Mais tout cela, une année 2019 décrite comme la plus performante dans le domaine économique depuis des lustres. Mais la crise sanitaire est passée par là, et aujourd'hui, le gouvernement se demande ouvertement à quoi ressemblera l'avenir, tant il dépend des conjonctures sanitaires et économiques des États-Unis et de l'Europe, notamment. Alors il lui faudra recourir un peu à contre-cœur à un emprunt massif d'environ 56 milliards, garanti par l'État, pour permettre de maintenir le navire à flot en attendant l'éclaircie. J'ai sollicité auprès du Premier ministre l'octroi de la garantie de l'État pour deux prêts. Deux prêts, respectivement, de 37 milliards pour couvrir les besoins de notre collectivité, un deuxième prêt de 19 milliards pour soutenir la trésorerie de la CPS, soit donc au total 56 milliards, considérant que cela pourrait faire l'objet de deux prêts différents, un pour le pays et l'autre pour la CPS. Dans ce contexte économique délicat, même le très consensuel Gaston Tong-Sang a lancé un appel à l'unité politique dans des termes plus virulents qu'à l'accoutumée. Les mouvements dissidents, les démonstrations de défiance à l'égard de nos dirigeants, les discours hostiles ou réprobateurs n'ont pas leur place en ces temps troubles et difficiles. Improductifs et stériles, ils fragiliseront l'édifice que nous devons partout, pourtant, nous employer à bâtir ensemble. La voix de la Polynésie n'était plus entendue en France depuis plus de 3 mois, a dit également Edouard Fritsch, qui a annoncé le lancement d'une opération de lobbying visant à convaincre le gouvernement à Paris des besoins urgents et réels du pays.